was born by the roadside in a broken down carriage. Came into life. Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Ok, bah petite quête de bon matin. L'inventaire chargé, car on n'est pas allé vider. Oh, un sac bleu. Merci. Attendez, elle est où cette quête-là? L'entrée doit être par ici. Oh, faut... Mais c'est pas possible, va-t-on arriver à avancer? Petit bâtard. Hop. Ok, alors attention, regardez ça, admirez. J'ai ce qu'il faut. Technique. Ça, j'ai appris ça quand j'étais moine au Tibet. Dicton disait, hein, si petit panda a du bord de la rangée, petit panda faire un coffre. Donc on va mettre un coffre. On va mettre tout le bordel dedans. Bah nickel. Regardez ça. Ok, super. Quoi là-haut? Oh, la petite cabane et tout. C'est stylé, ça. C'est un trip d'enfant. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, je vois là. Ok. Oh, regardez ça. Regardez ça. Le sniper avec ses 8 carreaux. Ok, pour l'instant, tout va bien. Ok, rien ici. Et il avait pas mon carreau lui. Bon attendez, parce que ceux-là ils sont un petit peu tout mous. On va plutôt les faire avec ça. Ok. On se charge un minimum. Et où est la suite? La suite. C'est là-haut? Non. Bah ça doit être là. Oh oui, ça doit être là. Ça doit être là. Oh oui, c'est là. Alors je vous le montre, hein, mais avec la technique de ninja. Et ils sont où les zombies là? Avec l'orage, j'entends rien. Oh, il est dans le coin là. Il y en a un par là, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, il y en a un là. Et où? Ah bah, c'est raté. J'ai pas vu ce truc là. J'ai marché dessus. Bah oui. Pas grave, on a validé le concept. Ah, le concept de la... Le concept de la subtilité est validé. Je tombe. Je tombe. Quelle arnaque. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas tomber. Y'a quoi en bas? Oh yes. Y'en a de planqués là. On va les faire à distance. On va tester une fois de plus la capacité à tirer à côté. Ah bah voilà. Oh. Attends mon ami. Petit bâtard. Oh y'en a un autre. Il m'a pas entendu. Ces nouveaux habits sont fantastiques. Ils me permettent de prendre des taloches de l'espace. Bah quoi? Elle est dedans là? Ah bah voilà. Ils sont super beaux les nouveaux militaires, je trouve. Éliminer les zombies, retourner voir le marchand. D'accord, on avait juste l'élimination. Je loot tout. Et comme ça, on pourra repartir... Dans de bonnes circonstances. Oh, il y a du loot ici, dis donc. Des petites toilettes privatives. Ouais, bof.
Quoi qu'il y a les pointes de flèches en acier, c'est pas mal ça, parce que je crois que c'est un des éléments pour faire des fléchettes explosives. Ouh, des blades. Oui. Oui, même si on n'en fera pas. Oh, ça, c'est bien ça. Oh, bah encore des roues. C'est un truc de fou. Avec Franck, on galère à en trouver, et là, j'ai plein de roues. Ouais. Ça, c'est pas dingo, hein. J'entends du monde dehors. Le petit moteur. Il y a une porte cachée là. Qu'est-ce qu'on a par là? On n'a rien. D'accord. Ils étaient partis pour se faire un tunnel sous la Manche un peu, non? Bizarre. Ça me rappelle un film. Vous connaissez Faites sauter la banque? Ah, je vous sers de la référence usagée là. Faites sauter la banque. Hein. Ils creusent un tunnel pour braquer une banque. Avec Louis de Finesse, s'il vous plaît. Là, là-haut. Ah ça y est, j'ai réussi à remonter. En même temps, c'est pas l'extase hein, en termes de loot. Hein. Ah, petit sac à main quand même. Ah, des thunes, ça on aime. Je vais essayer de tenter un saut là-bas. C'est réussi, c'est raté. C'est là? Mais... Esquive de ninja! Petit bâtard. Ah, attendez, parce que... Voilà, il y avait des trucs à prendre ici. Hein. On est dans le droit de se poser la question, qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour installer un spot par ici? Est-ce que c'était pour voir les zombies arriver et qui s'étaient retranchés... Et qui s'étaient retranchés dans cette partie-là? C'est probable. Tout ça, ça avait été fait. Ah bah il avait... Attendez, il a commencé à me faire une sortie. On prend. Ah bah oui, je le savais qu'il y avait du monde ici. Ok. Ah, il y avait des sacs là-haut, je vais les prendre. Hein. Il y a encore des zombies, hein. Ah, et alors, tu fais comment, là? Hein? Eh bah, tu fais pas. Attendez. Aïe. Ouh. Non, je vais te remettre les cervicales en place. Tu en entends un qui se balade là par là. Ah bah là voilà. Voilà. On va mettre déjà ici. Et ça va donner lieu à des colibés du type... Oui, ça va rester jusqu'à la fin de la game. Je vais aller chercher ici juste les sacs qui sont là. On va essayer de prendre un minimum ce qui est utile. On va au moins faire semblant. Bon allez hop, hein, on va pas y rester non plus des heures. Je vais rapprocher la moto, on va la charger. Oh, elle était longue pour une tier 1. En fait à chaque coup je me dis les tier 1 elles sont rapides. Mais en fait non. Alors ne prenons pas au hasard. Bon bah le reste c'est plus ou moins anecdotique. Allez hop, on va les poser tout ça. On va les poser tout ça à la base qui se trouve... qui se trouve par là, je crois. Je sais ce que je fais, rassurez-vous. Ah mais non, c'est pas du tout par là que j'habite, moi. Attendez, j'habite où? Ah bah c'est là. C'est par ici. Ah bah nous voilà chez nous. Hop. Hop, on va mettre dans le coffre ici. Ah, on avait déjà fait un coffre à bordel. On a combien de coffres à bordel dans cette base-là? Ah, je crois qu'ils sont tous plus ou moins des coffres à bordel en vrai. Ça, c'est de la bouffe. Oh, crotte. J'ai pas envie de ranger maintenant parce que ranger, c'est long. Et à chaque fois, ça mène nulle part. Qu'est-ce que j'ai à côté? Ouais, bah j'ai tout un tas de merdier aussi. Je vais quand même mettre les trucs à côté. Mais je me comprends, hein. Rassurez-vous. C'est ça qui est important. C'est que moi, je me comprenne. Que j'arrive à dégager de tout ça une cohérence qui me parle. C'est ça qui est important. Après, si vous comprenez pas ce que je fais, c'est pas grave. Vous voyez? L'important, c'est que je m'y retrouve. Et je vous cache pas que pour l'instant... bah pour l'instant, je m'y retrouve pas beaucoup. Hein. Donc c'est globalement la méthode a un petit défaut. Elle est peut-être un peu trop spiralée, je pense. Il reste encore des trucs là-dedans. Aïe, 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 aïe.
Il faudrait qu'ils réduisent le nombre d'items en fait. Et qu'ils augmentent la taille des sacs aussi. Ça m'arrangerait bien moi. Parce que là c'est vrai que c'est pas pratique. Hein. En fait, il faudrait que je fasse des coffres tout le temps. Et puis un jour, je passe 2 heures à tout ranger. Ça serait pas mal ça. J'ai toujours pas la lampe. Alors, la lampe frontale a dû rester à la base, hein, je pense. On est parti plus ou moins sur cette démarche. Voilà, c'est ça, c'était con. Et bah, c'est pas grave. Allez hop, on part comme ça. Ouais, un coffre par item, ça fonctionne. Hein. Évidemment que ça fonctionne. Mais du coup, faut le temps de trouver le coffre après pour ranger le bon item. C'est ça la difficulté. Le jeu est pas évident, non, mais très clairement. Hein. S'il y avait quelqu'un pour ranger à ma place, il serait peut-être plus simple. Moi, j'ai juste à looter et vider tout en vrac là-dedans. Et tout va bien. Mais c'est pas le cas. Il y a toute cette partie très difficile de rangement. Il faudrait un système à la Factorio, vous voyez. Vous déposez toute la merde sur des tapis. Et avec des procédés de type logique, bah, vous rangez tout seul. Ah, ou bateau point. Oh, je peux fabriquer des massues en acier. Mais ça, c'est oui. C'est complètement oui. Est-ce que t'as du travail à protéger? Élimination, provision enterrée, ça va être un peu relou. Je crois que c'est la même. C'est terrible. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher le petit drop qui est loin? Ouais, on va faire ça. Parce que sur les drops, maintenant, on récupère des trucs quand même assez cool. Assez loin quand même, hein. Ah, bah oui. Yes. Ah, un deuxième. Et un troisième, eh ben dis donc. Il devra envoyer les drops encore plus loin. Attention. Ah bah non, j'en vois que deux. Oh. Oh mais l'esquive de gymnaste qu'il m'a fait lui. Il arrive, hop, petit demi-tour, genre je t'attaque. Eh non. Oui, c'est comme l'époque quand on était gamin. On serrait la main et puis hop, on enlevait sa main pour se recoiffer. Mais qu'est-ce qu'on était con quand on faisait ça, sérieusement. Un 9, s'il te plaît. C'est long. Alors. Bon. Ah, paquet fabrication munitions. Il y a quoi là-dedans? Génial. C'est le truc que je fais jamais. Eh ben, je le ferai. Pour marquer le coup. Pour m'occuper. Allez, un 9. Que je sois pas venu pour rien. Merci, jeu. Oh non! C'est... Où est-il? Ah, il est là. Ah, je le vois arriver. C'est quand tu veux. Ouais, on va se ramasser un peu du cas. Il me semble que là-dessus, on en chope sur les... Il me semble que sur... Est-ce que c'est toujours vrai, d'ailleurs? Ça a l'air un petit peu vrai. Il en faut deux, je vais m'en faire quelques-uns. En plus, Lucas, c'est plutôt efficace pour se déshydrater. Alors toi, mon gars... Allez! Attendez, je recule. Hop, il est coincé dessus. Ah non, il s'est relevé. Oh, c'est dommage. Oh, on avait un gag, là. Petit bâtard. Ça devrait couper plus une hache, je trouve. Quand vous mettez un coup dans la... avec une hache, ça devrait couper plus facilement. Oh, mais quelle histoire! Viens là, viens là. Pardon, madame. Éliminer les zombies dans la zone, se rendre au point de ralliement. On va la faire, comme ça, ça fait de la thune. Ah là là, le retour. Ah non! Oh là 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 là! Le trop tard lui a donné l'avantage. Mais non! Saleté, là. Qu'est-ce qu'il a? Fatigué. Ah, il faut des vitamines. J'en ai à la base. Oh, j'ai pas lu ma batte. Utiliser. Alors du coup, faut que je retrouve ma base, moi, dans tout ce bordel. Mais ça serait bien par là. Ouais, ça doit être par ici. Je m'en souviens. J'ai la mémoire des lieux, moi. Il y a des gens qui n'ont pas de mémoire de lieux. Moi, j'ai une parfaite mémoire des lieux. Je mémorise les itinéraires. Et hop, et ma base, elle est par là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais peut-être gagner mon temps à faire des bases un peu partout. Comme ça, si je la perds, avec un peu de peau, je tomberai sur une base que je connais déjà. Enfin, que j'ai déjà faite. Et du coup, bah, je pourrais dire, c'est là que je voulais aller. Alors que peut-être que pas du tout. Yes, vitamine. Tête de flèche en fer.
Eh, on n'avait plus qu'un carreau, ouais. On a bien fait. Hein. On va mettre ça sur l'arbalète. Oh, c'est oui. C'est quoi son droit 1, là? Je me souviens plus. J'espère que c'est pas trop long. Ah, par contre, on a ça. Ça m'intéresse. Nickel. Bah on va la faire. Hein. C'est là-haut? C'est complètement là-haut. Oh, piaf. J'ai entendu. Oh, bah je l'ai vu là. Ah mais je fais plus de bruit, hein. Regardez ça, je suis un vrai ninja en vrai. American Ninja. Allez! Ah oui, furtif, on court. Oh, mes techniques sont tellement copiées de partout. Le Ninja Jack est réapparu. Qu'a-t-on ici? Rien du tout. Par contre, j'entends quelqu'un qui tape, hein. Putain. Oui, je suis un ninja au revolver. C'est des techniques modernes. Les ninjas aussi se modernisent. Yes, ninja. Personne ici. Petit bâtard. Tu me fais passer pourquoi? Tu vas pas me faire croire que t'as entendu. J'ai été super discret. Mais non! De quoi? Sérieusement? Petit bâtard. Je suis désolé, moi. Oh! C'est quoi ce bruit là? Il est là? Où est-il? J'entends un. Non mais il y en a, c'est... Regardez ça, tout ça, le bordel. Faut vraiment que j'ai le bouquin, vous voyez, pour... Oh, attendez, ninja, là. Ah oui, j'en vois, là-bas. Bon, regardez lui comment je vais l'éclater, quoi. Oh, j'ai la pointe rouge et tout. Beaucoup trop de style. Oh, ils sont là-dedans. Le problème, c'est que je vais faire du bruit. Je vais me mettre loin, hein, mais bon. Ah si, il a entendu. Petit bâtard. Oh! J'avais oublié de recharger. Ça m'a cassé tout mon effet. T'as cassé le groove de l'empereur. Sale zombie, va. Ok, c'est bon. C'est fait, je crois. Voilà, comme ça, on aura un truc à lui rendre. Oh, bah alors. Ok. Loot. Ah, est-ce que c'est pas mieux que mon truc, ça? C'est mieux. Bon, allez, hop, on va looter la cuisine. Oh, ça, c'est bien, ça. Est-ce que j'ai pas moyen de le mettre sur quelque chose? Non. Je crois que je peux mettre qu'un mode là-dessus. Ah, j'ai oublié de porter mes lunettes de loot. C'est ça, c'est triste. Ah, je crois qu'on a du monde dehors. Et là, c'est le bordel. On n'entend plus rien. Y a pas une clé d'ouverture ici? Ah, on a un pop and piece, là. Waouh. Parce que maintenant dans les nouveaux POI il y a des clés d'ouverture. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait dans celui-là. Il a l'air d'avoir un peu de peuple. Ils sont déjà en train de péter mon bloc. Attends. Putain mais. Il y en a combien là? En plus ils ont pété. Ils ont commencé à glisser sous le POI, dis donc. Oui, c'est ça. Petit bâtard. Je pense pas que ça soit une horde. Je pense que c'est juste des zombies de passage. Ah, vendu. Oh, oh, cette perte de la partie supérieure de la tête. Ils vont me rendre fou, hein. Oh, j'ai entendu un report. Viens là, petit chien, j'avais t'apprivoisé. Et ben voilà. Bon, je prends 2-3 trucs. Alors,
Mais t'es complètement... Ah merde! On va rendre ça. Ce qui serait bien, c'est que ce soir, je me pose un peu à la base, voir tous les crafts que j'ai, ce que je peux débloquer, etc., etc. Bateau point. Ah, modification de maille aérée. Résistance au froid 0, résistance à la chaleur 5. Et résistance aux explosions plus 1. Ah, c'est bien ça. Je prends. On t'en reprend un petit pour la forme, mais on n'ira pas la faire maintenant. J'ai bien envie de tenter celui-là, qui a l'air... Bah, ma foi, qui a l'air bien. Alors, on commence par dire... Oh, c'est... Oh, putain. Petit bâtard! Ah, un serpent qui saute. Ça, c'est une nouveauté, ça. Ok. Oula. Yeah. Ah bah alors. Oula, hé. Oula. Je suis monté sur le lit. Redescends, je veux pas qu'on me voie sur un lit avec un adolescent. Bonjour. Ah bah c'est commode ça, dis donc, hé. D'accord, ah bah c'est glauque, hein. Bon, je crois que ça, c'est plus ou moins du motel. Ah, j'aurais tout ça à creuser, ça va me faire de la ressource. Ici, on a un trou. Ouais, je tourne en rond, moi. Non ? Oui, si, un petit peu quand même, hein. On va laisser ouvert ce qui est fait. Ah, c'est fermé, là. Je ne vois pas. Ah. Café. Ah. Le ninja. Voilà, ça... on a gagné en furtivité, c'est bien. Je suis pas perdu. C'est là d'où je viens. Je le savais. Ok. Je sais que je vais sursauter. Et je vais faire un petit cri aigu. Ok. Ah, ça, c'était le rez-de-chaussée. Je comprends rien à l'ordre de ce POI. Non, ça se trouve, c'est un petit POI, en fait. Il est nouveau, mais... Enfin, peut-être qu'il est pas nouveau, hein, vous me direz. Il y a l'autre qui se balade, là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, oh, vautour, non? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, c'est le truc de tout à l'heure, ça. Il n'y a pas d'autre chose. Ah, si, il y a un truc, là. Ah, regardez, encore une tempête de sable. Classe. Oh, 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 oh. J'ai réveillé un truc. Ah bah j'ai trouvé de loot. Ah bah d'accord, il était juste au-dessus. Parce qu'il y avait un trou ici. Je pense que ça donne... Ah bah, ça donne sur le sac que j'ai pas looté. Parfait. Ok. Je suis tellement perdu. Je m'y retrouve pas. Qu'est-ce que c'est que ce POI? Ça, j'ai pas looté. Ah! Mais madame, où êtes-vous? Ah bah voilà. Je savais que c'était toi. Hop. Vous n'avez pas votre tampon. Bon.
J'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Il n'y a pas de zone de loot parce que c'est un petit POI décoratif, je crois. Non? Si? Peut-être. Non, oui, si, ça a l'air d'être un POI décoratif. En plus, vous voyez, il y a des montées pour passer un peu partout. Ouais, je pense que c'est purement décoratif. Bon, bah, ça tombe bien. On a quand même accumulé un gros tas de merdier. Bah, ça me paraît bien parce que je vois rien de... C'est vraiment très intéressant. Bon, j'avais déjà pris tout ça. Hein. Ouais. Bah, c'est cool. Ça va me permettre aussi de faire un petit peu d'ordre dans tout le bazar. Normalement, j'ai vidé à peu près tous les coffres. On va aller monter ça là-haut. Ici, je vais mettre les mods et les pièces comme ça. Comme ça, je m'y retrouverai mieux. J'ai pas dit que je m'y retrouverai, hein. J'ai dit que je m'y retrouverais mieux. Ok. Chut. Je vais pas vous entendre. Bon, on va refaire un feu de camp. Du coup, j'ai plus de marmite. On est reparti. Oh putain. Marmite. Et grille. Ah bah voilà. Putain c'est pas vrai. Reprenons. Oh, j'avais fait mes œufs et tout. Oh là là là. Et j'avais fait la boisson. Je vais peut-être aller chercher de l'eau. On doit avoir de la flotte pas loin. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire qu'on les voyait sur la map. Alors on les voit sur la map. Ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Hop, il y a ce truc là que j'ai pas fait. Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc en dessous là que j'ai pas fait. Faut que je le fasse. Allons-y. L'eau est juste là. Je suis un ninja. Yes. Ah, on peut passer par en dessous, c'est excellent. Ça, c'est bien. Les POI avec 10 zombies qui vous attendent à la fin, ça, c'est pas bien. Par contre, les petits trucs comme ça de déco. Et alors, du coup, il y a des vous de l'autre côté? Ah bah oui. Génial. J'avais vérifié ça. Ah oui, elle marche. Oh, ça marche. On va lancer un peu de fer forgé ici pour en avoir. On va refaire du thé rouge. Et puis ça va tourner doucement. Putain, il y en a un qui tape. Et oui, c'est ça. Mais c'est pas vrai! Va-t-on un moment avoir la paix? C'est une propriété privée! Fichez le camp! Ici. Oh la cave! On n'avait pas fait la cave! Incroyable! Y'a rien. Mais c'est intéressant. Eh bien les amis, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut.